Salut à tous, ici Boyas Nas pour une toute nouvelle vidéo Vide-Grenier Live. Aujourd'hui, on prend le train et on va au Vide-Grenier du Geek, c'est la première fois. Donc, on m'en a vendu pas mal de mérites. J'ai fait la Pixel D, ben, ce coup-ci, Vide-Grenier du Geek. On va vendre quelques trucs aussi, ça débarrassera. Et j'espère que ce petit Vide-Grenier vous plaira. Je vous laisse sur les quelques images. N'oubliez pas le petit pouce bleu des familles qui fait toujours plaisir. Et je vous dis à plus tard. Ciao l'équipe! Il y a des gueules. Ça va me faire comme dans Resident Evil 0. Le train, ça craint là. Ou peut-être on va être tranquille pendant 1h30 de voyage aussi. On a pu se mettre où on avait envie, mais il n'y a pas de lumière. Alors je sais pas où c'est qu'il faut appuyer, mais. Bon, après le train part dans 20 minutes, donc je pense que ça peut se remplir encore. On va voir tranquille. On arrive sur Lyon. Lyon, c'est Saint-Exupéry. Ça me rappelle, il y a. Ah, Concarax est là-bas. Il y a 3 ans. Quand j'arrive avec Concarax, c'était tout un habit bleu de l'OM. Et là, je suis fatigué, je viens de monter les étages. Et là, ben, on vient voir qui? Oh, il a sorti la casquette. Chez moi. Regarde-le. Je disais il y a 3 ans, on est arrivé ici. Bonjour. Le mec il dit pas bonjour, ça y est gros, il a 10 000 abonnés, il dit plus bonjour. Enfin, oh, qu'est-ce que c'est ces gens? Ils viennent de Marseille, ils arrivent, je disais, pas bonjour. Il y a 3 ans on est arrivé ici. Oui, c'est et vrai. Là c'est Conquérax qui va me récupérer à Lyon. Oh, c'est bizarre hein. Ouais, je suis chez Jean-Michel Aulas gros, ça a plu. Oh, putain, je suis pas bien venu à bien Noël. C'est vrai, qu'est-ce que tu as fait? Je suis déçu. Tu m'as dit que tu venais en survêt et tout. Souvenir. Ouais. Mais il te va trop grand maintenant. Ouais, moi il m'irait, mais toi il te va trop grand. Bah allez, on go. Allez, show l'équipe. We'll be right back.
Salut. Ça va? Ça va. On ouais. essaie de trouver des trucs, mais... Ouais, t'as vu, tu crois des abonnés qui viennent de Suisse et qui te croisent à Lyon. C'est fou quand même. C'est loin quand même. C'est pas très loin la Suisse au non, final. Non, j'ai fait deux heures de train. Deux heures, comme Marseille. Hein. Voilà. C'est ouais, à peu ouais. près ça. T'es venu de Marseille ouais. ce matin? Ouais, en train. Ouais. Ouais. Joli, on était pareil alors. J'ai sympa le train. Petit live les Minx que t'as fait il y a quelques semaines. Ah ça oui. Ça m'a fait marrer, j'ai pris le dress. Ah, j'ai galéré, mais ouais. c'était sympa, ouais. franchement, d'y jouer. Hein. C'est vrai, avec mon père, on se prenait la tête. C'est le retour. On reprend le train. Il fait chaud sa mère. Qu'est-ce qu'on peut dire pour cette fin de live vide-grenier spécial, vide-grenier du geek? Bah écoute, franchement, vous m'avez vendu du rêve, mais aujourd'hui c'était bidon. Bah alors. Toi, tu t'es fait plaisir. Non, franchement, en achat c'est pas mal. Tu pouvais acheter, tu pouvais te faire plaisir. Après, en SNES, rien de. Parce que moi j'achète, moi je revends pas. Ah, moi j'ai débarrassé des merdes, mais franchement j'ai débarrassé des conneries. Non, toi tu as débarrassé, mais c'est vrai que pour ceux qui vendaient, pour ceux qui avaient des stands, c'était moisi. Et en fait, la première édition était vraiment au top du top. Et tu avais vraiment, vraiment le moyen. Je me rappelle ceux qui ont vendu. Il a fait trop chaud. Ouais, il a fait extrêmement chaud, les gens. Il a fait extrêmement lourd, 38 degrés, je pense qu'il faisait. Et du coup, on était morts, on faisait que boire et tout. Par contre, j'ai acheté quand même une petite console précise. Ça, c'est la prochaine content. Vidéo. Vraiment vraiment pas courante et j'ai mis les sous quand même un petit peu mais c'est pour vous la présenter. Ça y est, on a plus Axel Conquirax qui calcule ses sous. Non, ça 5 euros c'est trop cher. Là il a dit ça 150, allez tenez monsieur. Tenez 150. Ah tu as dit le prix comme ça toi. Ah comme ça. On tourne là. On tourne non, là. Non mais après voilà, ça les, franchement ça les vaut, vous verrez. Et c'est par rapport je dirais au produit. C'est toujours pareil, c'est-à-dire si on veut vraiment un produit pour sa collection, ouais, qu'on a, j'ai mis un peu de côté, tu vois, quand je vais au vide. Voilà, il y a 3-4 ans de côté, tu l'aurais peut-être pas pris. Non, il y a 3-4 ans, non, parce qu'en plus, l'objectif aussi, c'est de vous le présenter. Donc ça rentre dans le cadre de la chaîne, le cadre un peu histoire et tout, et c'est top. À l'époque, faire des achats pour faire des achats et dire, ben voilà, j'ai payé une console 150 euros, oui, mais ça m'aurait pas. Ça m'enjaille plus de vous la proposer derrière en histoire, etc., etc., et de mieux oui, comprendre maintenant, ça. Oui, ça voilà. t'a permis d'avoir une ça, nouvelle c'est ça, ça, ça ouverture ça m'éclate. De chaîne. Et donc, j'achète des consoles, mais c'est aussi pour vous le proposer comme ça, pour ma collection, pour me faire plaisir, bien sûr. Ça me permet de vous le montrer. Ça, c'est cool. Ouais. Voilà. Ça, ben, moi, je crois que j'ai acheté qu'un seul jeu, donc je vous le montrerai en fin de contrat, enfin, à la demande. C'est quoi, c'est Barbie Dreamhouse pour Wii U? Je vous ferai un petit compte-rendu en fin de vidéo, là. Je vais prendre le train d'ici une bonne demi-heure. Ah. Il n'est pas resté chez moi ce soir, je lui ai dit fais la vidéo sur ma collection hors full set, mais il a pas voulu. Non, on n'est pas arrivé aux 300 likes, donc après... Bah excusez-moi alors. Ah, on a dit qu'on le faisait si on arrivait aux 300 likes. C'est qu'on a vu quand même plein de monde et que ça c'était super sympa. Ouais, et que franchement beaucoup d'abonnés. On a vu plein d'abonnés et... On a pu discuter, c'était vraiment ouais, cool. On a vraiment pu discuter, c'est aussi pour ça que... Ça c'est bien tu vois, de venir comme ça dans ces lieux et de rencontrer du monde. Et je suis super content moi d'avoir vu plein de personnes. Ouais. Et mais voilà, bon, la Pixel, voilà. C'était la Pixel, un autre monde. La Pixel, c'est une convention, c'est encore autre chose, c'est un autre pays, c'est différent. Ouais. Voilà. Mais bon, en octobre, j'essaierai de revenir à Lyon, ce qui paraît c'est mieux sur octobre. Oui, sûr. Donc, oui. On essaiera de faire ça. Ça va. Je vous laisse sur les images du petit compte rendu. Salut. Ciao. Ciao. On vient de rentrer sur Marseille, donc il est un peu de retard, comme d'habitude. Avec le train, ben, toujours un peu 20-25 minutes de retard. Mais bon, pour la première fois, on finit un live vide-grenier, il est 21h09. Donc on va faire le compte-rendu et on vous présente ça dans la foulée. Ciao. Nous revoilà donc pour le petit compte-rendu du vide-grenier du Geek à Lyon. J'ai récupéré qu'une seule pièce. Donc j'ai été un petit peu mitigé sur l'avis du vide-grenier du Geek. C'est vrai qu'en sortant de la Pixel D où il y avait plus de 300 exposants, 200 ou 300, il y en avait pas mal.
je sais pas trop quoi mais comme c'était assez compacté, on était tous collés les uns aux autres, donc c'était plutôt sympa la Pixel. Au vide-grenier du Geek, ça a été un petit peu plus dur, je crois qu'à cause de la canicule, ils ont été un petit peu en galère au niveau des rues. Donc on était peut-être une quarantaine sur une place, une vingtaine dans une rue derrière et encore une autre vingtaine derrière. Donc c'est vrai que c'était pas top top. J'attends quand même la celle de octobre pour me donner un deuxième avis à ce qui paraît. Peut-être si c'est à la MJC, je crois que ça sera peut-être meilleur. Donc à voir sur la vie d'octobre. J'ai débarrassé pour à peu près une centaine d'euros de jeux. Donc je me suis payé 30€ le train et j'ai récupéré cette petite pièce, le Super Bomberman 2, qui était à 120€ annoncé au départ sur un stand qui était à côté du mien. Donc il me semble que c'était le pote Arnaud Robin, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai récupéré cette petite pièce en fin de vide-grenier. Je lui ai dit voilà, si tu le vends 120€ de la journée, il n'y a pas de souci, vends-le, parce que pour moi je trouvais ça un petit peu élevé. Après c'était négociable comme tout. Et je lui ai dit moi si tu le vends pas en fin de journée, en fin de journée je peux te le prendre pour la somme de 90€. Il n'est pas très propre ici. Il y a une petite déchirure sur 1 cm. C'est souvent le cas quand les gens ils forcent un peu sur l'ouverture d'une boîte. Donc je l'ai récupéré pour la somme de 90€ en fin de journée. Je l'upgraderai avec le temps, mais c'est pas méchant non plus. Mais c'est dans la tête. Donc on l'upgradera avec le temps. Et franchement, si vous hésitez un samedi soir ou un vendredi soir tranquille avec vos potes à jouer à un jeu de SNES à plusieurs, tapez le Super Bomberman 2, je peux vous dire que ça sera vraiment, vraiment, vraiment une bonne soirée. Je préfère même le 2 aux autres exemplaires qui sont le 1 et le 3. Mais bon, je l'ai récupéré en plus récemment en vide-grenier en loose, donc je garderai celui-ci complet en boîte pour la collection et le loose, je le garde pour jouer. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vide-grenier vous aura plu. Pour les soldes, on est arrivé à plus de 450 likes. Donc comme promis, chose due, ben, je vous ai mis les concours sur Instagram pour le premier choix, sur Twitter pour le deuxième choix et pour Facebook pour le troisième choix. Donc si vous voulez avoir plus de chances de gagner, jouez sur les trois réseaux tout simplement. Donc chaque réseau, il y aura les explications pour pouvoir y jouer. Pour pouvoir participer tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vide-grenier live vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu des familles, de vous abonner, de commenter et de partager si ce n'est déjà fait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Boyasnes, jouez bien, collectionnez bien. Ciao l'équipe, à bientôt pour une prochaine vidéo.